passé les dernières semaines dans un état d'aboutissement qui la laisse démunie, épuisée. Les objets que j'essaie de produire sont toujours dans des ambiguïtés. En fait, j'aimerais produire des objets qui font naître du doute plutôt que de l'affirmation. C'est vraiment des choses auxquelles je tiens. Et je pense que c'est un peu le lieu de l'art, en fait, d'être dans ce, de maintenir cette espèce de doute, de maintenir cette espèce d'absence de résolution. The Balois Art Prize exists since 1999. Every year, two talented young artists are awarded with 30,000 Swiss francs each. The Balois acquires one group of works from both prize winners. These are given to two major European museums to make them accessible to a broad public. Le prix Baloise prend, ça a lieu quand même au moment de Art Basel, donc en tout cas c'est des rendez-vous, c'est un rendez-vous, c'est le rendez-vous le plus important. 30 000 francs suisses, c'est une très grosse somme. Je dirais que la plupart des artistes sont quand même dans un processus où ils réinvestissent leurs gains dans le travail, quoi, tout simplement. Enfin, c'est pour pouvoir continuer à travailler, continuer à produire des nouvelles œuvres et voilà. C'est immer Aufgabe auch von Unternehmen, dem Nachwuchs in allen Bereichen zu helfen, und das wollen wir mit den Künstlern machen, indem wir diesen Kunstpreis zwei sehr fähigen Künstlern geben. Ja, der Balois Kunstpreis ist für uns eine gute Möglichkeit, eine Plattform, Kunden, Vertriebspartner einzuladen, mit ihnen in die Diskussion zu kommen, Gedanken auszutauschen. Das ist sicherlich ein Element, das wir gut finden. Das zweite Element ist sicherlich auch, etwas der Gesellschaft zurückzugeben, Danke zu sagen für das Vertrauen, das in uns gegeben wird. Je connais tous les précédents lauréats du prix Balois et c'est très prestigieux. Il n'y a que des gens qui comptent maintenant, qui sont importants sur la scène internationale. Enfin, moi, j'étais personnellement très honoré, en tout cas. The Balois Art Prize.